C'est tellement parti loin qu'il y a même une vidéo YouTube qui est sortie. Ah oui. Une vidéo YouTube de un truc improbable. C'est Coé de 15h à 20h sur Énergie. Spécial dossier, spécial mensonge, spécial vous vous êtes enterré dans votre mensonge. Commençons par Stéphanie et Jean-Pierre de Paris. Ils appellent de façon anonyme. Ça fait 3 heures que j'ai envie de vous décapsuler la tête. Et je pense qu'il est curieux. Ouais. Donc j'ai très très envie d'en savoir plus. Alors, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. Attends. 2 ans, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va l'énerver ou... Je sais pas. Je crois qu'il... Tu m'as dit qu'il en avait reparlé cette année encore. Mais il en reparle tout le temps, Il en reparle tout le temps, en fait. En fait, c'était... Est-ce que je peux juste dire un truc avant? Non, toi, non, tu dis rien. Tu vas tout gâcher. Faites-moi confiance. Tu vas te faire défoncer. Tu sais, il n'y a pas que toi qui a été berné. Au final, il y a eu la France entière. Berné? Oui, t'as été berné. Il a 80 piges. Stéphane s'est fait berner aussi. Stéphane Bernet. C'est tout ce que je voulais rajouter. En fait, on avait fait une expérience. Oui. Et on trouvait que c'était rigolo, mais que pour toi, on avait eu un résultat. Et je trouve que ça manquait de rock'n'roll. Oui, voilà, c'était pas assez rock'n'roll. C'était pas foufou. Donc on s'est dit, on va mitonner un peu. Voilà. On lui dit rien du tout. Et on lui dira la vérité après. Sauf que le problème, c'est que le mytho, ça fait 2 ans que ça dure. Et ça fait 2 ans qu'il est. Une histoire de voyance, peut-être, non, non? Non. Non, c'est pas ça. On t'a jamais dit que c'était un mytho. C'est pas une fille. Quoi, t'as pas une idée d'un truc où on aurait une expérience qu'on a fait. Un truc qui t'a dit c'est quand même chelou. Vous n'avez jamais fait de radio avant. Non, mais tu t'es dit où c'est chelou quand même. Ouais. Un truc comme ça où tu t'es dit. Mais mettez-moi un peu sur. Miko avait participé, mais t'étais pas au courant du mytho, on te l'a jamais dit. Ouais, c'est vrai qu'on a pas dit à Miko, il est pas dedans. C'était sur cette radio? Oui. Oui. Ah oui? Ouais, je crois, ouais. Oui. Ouais. Mettez-nous sur la voix. Ouais, mettez un indice, quelque chose, parce que là, je vois pas. C'est tellement parti loin qu'il y a même une vidéo YouTube qui est sortie. Ah oui. Une vidéo YouTube de. Un truc improbable. Tu t'es pas dit un moment, en regardant le résultat, tu t'es pas dit, mais non, c'est pas possible. Tu te connais, quoi. Tu te connais. On a fait de l'audience avec toi dans l'équipe. C'est fou, hein. C'est improbable. Franchement, je cherche, mais mettez-moi sur le. Ah, je vois, c'est assez vague quand même. C'est sur ta vie, ton histoire. Ouais, ton origine. Ton origine. Ah, là, tu l'as dit. Sur les Roumains? Oui. Oh putain. T'as jamais été Roumain de ta vie? Vous avez fait quoi comme test? Les vannes qu'on a fait à Vichy. On avait fait le test de l'ADN où on s'en partait à Houston. Mais on l'avait et ça revenait. Et on avait les résultats pour Miko, c'était rigolo, parce que ça correspondait. Sauf qu'on avait tous des trucs drôles. Oui. Et lui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était chiant son truc. Et je me suis dit, à un moment, il faut qu'on trouve un truc. On lui calque 20% de roumain. Donc on a utilisé Photoshop. Et on a fait refaire une carte exprès à la graphiste. On a fait bosser la graphiste pour qu'elle te mette un rond. À 5%, je suis. Roumain? Mais non! C'est pas vrai, c'est ouf! Tu vas pas donner argent, c'est normal! Je suis. Je suis Roumain à 5%. C'est toi, mon bral! C'est toi le vrai! Les amis, voilà, ça vient de tomber. Genre, j'étais. Et moi qui cherche dans ma famille. Depuis. Romain, moi qui cherche dans ma famille depuis 2 ans. Qui a pu tromper avec un Roumain? Y'a personne! J'ai remonté, j'ai dit c'est ma grand-mère! Qui a fauté avec un Roumain? Je me suis engueulé avec toute ma famille! Mais il est passé par tous les parcs-mètres! J'ai donné à tous les feux rouges de Paris! C'était une connerie, ils ont jamais désamorcé. J'ai donné des vestes. J'ai donné des vestes à des gens. En fait, on s'est regardé avec Pietro, on a fait bon, laisse comme ça, on dit rien. Ça fait 2 ans que tu crois que c'est ça. Ça fait 2 ans que quand les mecs comme ça disent famille. Et ça commençait à nous peser parce que c'est vrai qu'à chaque fois t'en reparlais. Ouais, moi j'ai rien de Roumain. T'as rien de Roumain. J'ai rien de Roumain. C'est vrai que t'en as reparlé récemment. Mais j'étais un peu fier. Petite fierté, ouais. Mais j'avais commencé à prendre le Roumain. Sur Babel. Il a jamais été Roumain. C'est vrai que limite tu chantais l'hymne Roumain. J'ai reçu un mail de Babel qui m'a dit vous êtes le seul à nous avoir demandé le Roumain cette semaine. Il réécoute Dragostea Dintel. J'avais refait la parodie. Pedresta Numa Numa. Pas vu pour partir aussi en vacances là-bas et tout. Salut, Hainouk, c'est Diego. Tiens, je suis pas roumain. Donc voilà, t'es très européen. Rien de roumain. Ah, déception. Voilà. T'es vraiment du nord de la France. T'es du nord. Tu es d'une banalité.
C'est ça. C'est ça. Déconcertante. On voulait un peu apporter du piment dans ta vie. Ah oh bah sympa. Ouais, mais le truc, c'est quand tu fais une vanne, faut désamorcer derrière. Tu fais la gueule, ouais, bah, là. Pour deux ans. Deux piges. Deux piges de vanne. Je croyais que j'avais quelque chose d'exotique en moi. Et oui. Et rendez-vous, rendez-vous dans 10 ans, on en a une deuxième. Voilà. On vous le dira dans 10 ans. Oui. Ça va être. Je serai camerounais. Ton fils. C'est pas ton fils. Je serai un truc horrible. Le mensonge de 20 ans. Donc voilà, on est désolé. On savait pas comment. Ah, c'est drôle. Non, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est super drôle. Il y en a un qui dit il a l'air déçu. Ouais. Ouais, il est déçu. Ouais, je crois qu'il est déçu. Je pensais que j'étais un peu roux. Hein. Bah non. Voilà, et tu le disais souvent en plus. T'étais. J'étais fier. T'étais content, je veux dire. T'étais fier. J'avais fait une demande d'adoption. Et un petit roumain. De double nationalité. Je vais devoir l'annuler. Tout compte fait, j'en veux pas. Et tu sais quoi? J'annule ma commande. Ah, quelle horreur, c'est ma commande. Et on a voulu retrouver le vrai, oui. Et on a appelé la graphiste, et la graphiste m'a dit au téléphone: ah mais vous avez pas désamorcé depuis 2 ans. Bah non, on va le faire ce soir. Voilà. Voilà, voilà. Mais tu sais que ce soir, ça se trouve, il va nous envoyer des messages genre: vous êtes quand même des vrais ancres. Vraiment. Ah, il y a la déception quand même. De pige. La Roumanie a beaucoup perdu. J'aurais quand même une pensée pour le petit village roumain qui a commencé à faire une statue. Ouais. T'as-tu fini? Fini, oui, oui. C'est pour lui. D'ailleurs, il est sur la page Wikipédia de la Roumanie. Les clés de la ville, non? Pas pour toi. La clé de la ville. Cring. Bienvenue, la pays. La statue géante, on enlève. Terminé.